Bonsoir, ici Marie-Christine Leblanc de TVA pour les Rendez-vous.tv. Ce soir, je me trouve dans la région de la capitale nationale. On vous parle du Grand Rire de Québec, présentement en cours jusqu'au 1er juillet. Et c'est bien sûr une présentation des Rendez-vous Loto-Québec. Plein de choses à voir du côté du Grand Rire. En fait, on vous présente l'humour sous toutes ses formes. Et d'ailleurs, à la scène Loto-Québec, de gros spectacles qu'on vous propose cette année. La scène qui est installée dans le Vieux-Port de Québec, à l'Agora du Port de Québec. Et ce qu'on vous présente, entre autres, il y aura le spectacle de Daniel Lemire. On a également donné carte blanche à François Lévesque, à Peter McLeod également. Et le 1er juillet, le spectacle qui clôturera le Grand Rire, nul autre que Whoopi Goldberg qui sera à Québec. Alors, c'est vraiment un spectacle à pas manquer. Sinon, on fêtera également les 35 ans de la LNI cette année du côté du Grand Rire et on présente aussi un volet Humour du monde. Et là, pour commencer ce volet, ça commence ce soir avec nul autre que l'humoriste Pascal Légitimus que j'ai en ma compagnie. Bonsoir. Hey, bonsoir. Parlez-nous un peu de ce que vous allez nous présenter ce soir dans votre spectacle. Écoutez, c'est un spectacle qui est basé sur le métissage parce que je suis issu d'une mère arménienne et d'un père antillais, de faire un spectacle sur mon métissage, ce mélange cocasse-cocotier. Donc pendant 1h45, j'aborde des thèmes universels comme la famille, la religion, la musique, à travers mon métissage, qui est assez particulier. Donc je fais l'amour comme un noir, mais je m'endors comme un blanc. Vous voyez, c'est dur à assumer. Et donc, bientôt, je vais monter sur scène. Donc j'ai évidemment un peu d'appréhension, parce qu'en France, ça fait un an que je joue mon spectacle, ça marche très très bien, je suis bien content. Mais ici, je ne connais pas la résonance du public, mais j'ai confiance. Jusqu'à maintenant, comment ça se passe, vos liens avec le Québec? Écoutez, je viens ici depuis 1987 avec Les Inconnus, le groupe dans lequel je fais partie. Ça fait longtemps qu'on vient ici. En tout cas, moi, je viens depuis presque une fois par an ou une fois tous les deux ans, parce que j'ai un très bon ami qui est Denis Bouchard, Stéphane Rousseau, Anthony Cavana, avec qui j'ai travaillé. Donc, c'est un vrai plaisir de venir ici, parce que la vibration est détendue, c'est calme, c'est professionnel, et puis j'adore le pays. Et ce soir, si j'avais à faire un vox pop après un spectacle, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens disent en sortant de votre spectacle? Encore! C'est très bien. On a un petit jeu à faire ensemble. Ouais. Est-ce que ça vous tente? Nous, on a une boîte à surprise ici où on vous pose des questions pour mieux vous connaître. Donc, est-ce que ça vous tente de piger une question? Alors. Voilà. Question du hasard. Décris-nous l'événement spectacle en trois mots. L'événement de ce soir, donc, en trois mots. Humour. Émotion. Partage. Merci beaucoup, Pascal Légitimus. On vous souhaite une bonne soirée. Et nous, on vous invite à nous suivre sur lesrendezvous.tv. On se retrouvera très bientôt à l'antenne de TVA. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Les Rendez-vous Loto-Québec vous invitent à découvrir plus de 120 festivals partout au Québec. Pour en savoir plus, visitez rendezvousloto-québec.com.